secondes les gars, d'accord, c'est pas plus de 10, là je vais trouver. On vous laisse exactement 15 secondes pour dégager sinon ça va piquer les yeux. C'est clair? C'est une blague! C'est une blague! Vous êtes sérieux là? C'est une blague! Vraiment, c'est n'importe quoi! Pourquoi il a jeté toi? Pourquoi c'est jeté? Pourquoi vous êtes jeté? Eh, c'est quoi ça? Vous êtes sérieux? Pourquoi ils font ça, mec? Fais un live, J'arrête de filmer, d'accord? Pas de problème, y'a pas de problème, je fais mon boulot, faites vos boulot. Y'avait pas besoin de faire tout ça, vous me jurez de vous faire. D'accord? Vous pouvez dialoguer, vous pouvez dialoguer, c'est qui le dialogue? On a même pas besoin de venir normalement, on a même pas besoin de venir, d'accord? On a même pas besoin de venir, c'est bien clair? Vous pouvez filmer. Je fais mon boulot, faites votre boulot. Ok, il n'y a aucun problème, j'ai ma carte de presse. Je fais mon boulot, c'est tout. Très bien, je suis d'accord. Sur internet. D'accord. Je mettrai. Pas de problème. Et vous parlerez à mon travail alors. Bah oui, vous parlerez à mon travail, j'ai ma carte de presse. Quel travail de quoi, monsieur? Vous parlerez à mon travail, c'est tout. Bah quoi? Travail de quoi? Je suis journaliste, monsieur, je fais mon boulot, je filme, vous travaillez. Vous êtes journaliste, donc vous avez le droit d'être plus de 10 sur la voie publique. Je suis en train de filmer, je sais pas si c'est intéressant, moi je filme, c'est tout. Ah, vous savez pas que c'est. Je filme ce qui se passe. C'est tout. Je suis là pour la prévenue, clair. Ça veut penser de la prévenue. Personne ne l'a prévenue. Ouais. On n'est pas d'ici, nous on vient faire un reportage. Il y a 5 minutes là. Il n'y a pas de 5 minutes, d'accord? Il n'y a pas de 5 minutes. Arrêtez, on n'est pas au marché, on ne marchande pas, d'accord? Eh ouais, c'est comme ça, c'est pas autrement les gars. Vous regardez, ça sert à rien de venir faire la force. Venez faire la force, vous êtes étonné que les gens essayent dans ce coin. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Vous n'avez pas le droit de rassembler à plus de 10. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? C'est quoi? C'est ça que vous comprenez pas en fait. Maintenant, vous rentrez chez vous les gars, c'est tout. Terminé. Y'a pas de clip, y'a rien du tout. Il y a de grandes cités dans toutes les cités, ils sont mille dispersés. On va balancer une grenade. Ah ouais, vous savez, vous m'envoyez. Moi, c'est anonyme, t'as eu. Avec Donné Sous-Bois, DSB, précisément, le groupe. Donc, c'est le griffe, t'as eu, j'ai mis le short. Rappeur de l'nez. Ça fait des années que je rappe, t'as vu, mais on se fait là. On est en train de se faire. Et voilà, on est au 1000. Au 1000, on dirait des 12. Des 12 points, t'as eu. Ou avant, ça a des foirés, t'as vu, tu connais. Bata 4. C'est des bâtiments, t'as vu. Voilà, comme je t'ai dit, 12. Bâtiment 12. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce bâtiment 12? Comme tu dis, c'était une plaque tournante, t'as eu. Des fourrés à mort. Voilà. Les stars, ils ont été à côté de dîner, t'as eu. Ça fait 23 ans. 23 ans que t'as mis d'ici? 24 ans, même. Là, c'est les Dauphinés, t'as eu. J'ai traîné ici, moi. Là-bas, c'est stupéfiant, tu vois. Papa et maman, ils voulaient pas que je traîne là-bas, tu vois. C'est-à-dire, j'étais vers le côté de la bagarre, en fait. C'était que la bagarre ici. Et en plus, ça a changé, t'as vu. Avant, il n'y avait pas de parc, mais plus de pierre et tout. Tout a changé. Ils ont tout renouvelé. DSB, Dauphiné, Stripper, t'as eu. Maintenant, aujourd'hui, j'ai modifié ça, t'as vu, en drogue, sexe, bif. Mais sinon DSB c'est Dauphiné Strip BR, t'as vu ça se passait ici. Il y avait la barrière blanche. Ils sont montés plus les anciens ici. Là, ça a changé, t'as vu, rénové, comme je t'ai dit. Ils ont mis des caméras partout maintenant, regarde.
Là, t'es sur la ligne du 8 mai. Là. D'accord, ok. Tout ça, c'est là, le. Là, là, regarde, là, c'est Dove. À partir de là-bas, c'est 8 mai. Le monument de la cité, il est là. La tour 25, t'as vu. On a même d'autres shops. Bon, ça, je t'ai fait visiter où tu vois, regarde. Le 12, le D4, il était là au couloir de la mort. Et la tour 25. Et là. Là, tout est là, tout est bon. Là regarde, t'as grave de la chance. Pourquoi t'as de la chance? Parce qu'il y a un mec qui clip là. Il y a un mec qui a fait un clip. Bah, je m'appelle Jamel, je suis né à Aulnay, hein. Je suis arrivé ici en 67. On est les premiers venus sur Aulnay. Je suis né à Ballanger. Dans les anciennes maternités, c'était que des petites baraques en bois. Il n'y avait qu'une tour, c'était la tour rouge. Et on a grandi sur Aulnay. On a vu Aulnay évoluer, on en a vu des mères passer. Et l'évolution, hein, elle n'a pas été chapeau, quoi. Le problème ici, c'est pas les jeunes, les problèmes, c'est la police. Okay. Donc toi, vraiment, le problème ici, c'est la police. Le problème, c'est la police, c'est pas les jeunes. C'est pas les politiques, c'est pas le, non, le, ça, le maire. Ça, tout le monde le sait, voilà, ça, tout le monde le sait. Le problème, c'est la police, ils font mal leur travail. Je généralise pas, bien sûr. Je dis pas qu'il y en a qui font mal leur travail, tout le monde fait mal son travail, non. Mais il y a une partie qui fait très mal son travail. Celle qui patrouille, par exemple, dans les quartiers. Mmh. Voilà. Pour eux, tous les jeunes sont suspects, tous les jeunes sont des voleurs, tous les jeunes sont des voyous. Et, bah, c'est ça. En fait, c'est ça le problème, c'est ça qu'il faut régler. Après, les jeunes, on leur a pas donné grand-chose hein, pour essayer de s'en sortir. Donner une salle, donner un local, donner ça, c'est facile. Les caser dans un coin, ça c'est facile, c'est comme si tu les punissais au mur. C'est un soutien dans le travail, dans les formations, dans plein de choses. Comme les assistantes sociales, pourquoi ils les ont enlevées? C'est une chose qu'il fallait jamais enlever. Donc ici. À l'époque, il y avait plein de maisons pour les jeunes, ça a été super. Voilà, mais le social, les antennes sociales, pourquoi ils les ont enlevées? Ici, tous les habitants, c'est des sociaux, c'est des appartements sociaux. Il y a des gens qui ne savent pas lire, il y a des gens qui ne savent pas écrire. On leur enlève les antennes sociales. Ça veut dire qu'ils les ont un peu livrées à eux-mêmes, non? Là, c'est pas, ça, c'est pas les aider du tout, ça, c'est partir en arrière. Moi, j'étais révolté, mais aller la crier dans la rue et aller me révolter avec les jeunes, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire en tant que père de famille. Mais les soutenir et les aider, ça, c'est à 100%. Et après, autant que chef d'État, avoir des propos comme ça, je sais pas si c'est digne d'un chef d'État. Voilà, c'est tout. C'est hallucinant ce qui se passe en ce moment. C'est hallucinant. C'est plus les jeunes qui provoquent la police, c'est la police qui provoque les jeunes. Les jeunes, je les ai vus grandir, je les ai vus dans leur landau. Il y a des jeunes qui sont respectueux et ils se font tabasser sur la gueule par la police pour des rien du tout. Ils se font maltraiter, ils se font insulter. Est-ce que Aulnay, ça se passait comment ça? Est-ce que ça allait bien? Ça se passait très bien. Il y avait un contact direct avec la police. Ça se passait très bien. Ça a même descendu un peu l'atmosphère. Okay. Et bien, ils enlèvent des bonnes choses pour mettre des mauvaises. C'est comme ça. C'est comme ça. Je me demande si on va avancer un jour dans les banlieues. Si vous filmez un peu le quartier, hein, vous allez voir qu'on ne mérite pas ça. C'est pas possible. Il n'y a pas un magasin dans le quartier. Comment on fait pour les personnes âgées, les personnes handicapées, comment ils font pour aller acheter leurs baguettes? Comment ils font pour aller acheter leurs légumes? Même pas quelque chose de provisoire. C'est hallucinant. Rien qui bouge. Ça avance pas, il n'y a rien qui bouge. La police, ouais, ils ont changé. Bah, la police, elle n'est plus la même. Hein. Moi, j'ai quoi? J'ai 35 ans. Quand j'ai commencé à vraiment être dehors, vraiment on va dire marcher dehors dans la cité, je devais avoir pas 15 ans. Ça veut dire grosso modo, c'était à quelle année? Des années 2000, bon, bien avant un peu, 12-13 ans, dans les années 97, 96, 98.
Bah, la police, c'était pas pareil. Ouais. Les policiers, je veux dire, c'était quand même des... Les policiers d'avant, c'était... Je trouve que c'était plus des hommes que maintenant. Maintenant, les policiers de maintenant, sans tous les critiquer, parce que certains, ils ont des très bons fonds et certains font leur métier avec... impartialité, c'est comme ça qu'on dit. Impartialité, ouais, ils font leur métier avec impartialité. Mais il y en a d'autres parmi eux. C'est quoi, je trouve qu'on... Dans la police, il y a beaucoup de gens qui sont là, beaucoup de petits jeunes, beaucoup de petits merdeux. Et je crois... Ils sont trop inspirés des films comme Chill, plein de films policiers comme ça, un peu. C'est l'époque qu'on est. Même les jeunes de maintenant, ouais. ils sont un peu influencés par les séries télé, par les policiers aussi. Hein. Ils sont jeunes, hein. Il y en a, ils ont 25 ans, il y en a, ils ont 22 ans. En vérité, ça reste des petits neugeux. Le cerveau, je crois qu'il n'est pas encore prêt à faire ce boulot-là. Hein. Mais je pense qu'il faut donner un certain âge aussi aux policiers. Je pense qu'un policier, bon, je ne pense pas son uniforme, je ne dis pas son uniforme. Mais un policier de métier, un inspecteur, tout ça, il faut quand même qu'il y ait un seuil d'âge pour un policier. Moi, c'est ce que je penserais. Hein, pour qu'il ait toute la maturité, tout le jugement qu'il pourrait avoir en tant qu'adulte pour comprendre. Parce qu'un jeune de 22 ans, dans une situation assez compliquée, et vu l'influence qu'il a, il y a plein de choses qui jouent. Je pense, on sait pas d'où ils viennent des fois ces gens-là. La plupart du temps, c'est pas des gens qui habitent dans le secteur aussi. Les politiques, ils font ce que. Les politiques, je trouve qu'ils font ce que. Bah, ils font un peu. Ils font leur beurre, quoi, hein, en vérité. Hein. Les politiques, en vérité, ils font leur beurre. Hein. C'est leur boulot. Hein. Ils cherchent à ce que des gens ils votent pour lui. Donc, il est obligé de jouer sur des clivages. De toute façon, les politiciens, c'est ça. Hein. Depuis peut-être la nuit des temps, non, je pense, non. Quand on était à l'école et qu'ils nous parlaient des trucs grecs, tout ça, avec c'est eux qui ont inventé la politique, en gros, grosso modo, avec leur genre de Sénat et tout, déjà, ils sont dedans, les mecs, pour la plupart, ils cherchaient à attirer une cause qui touchait le peuple et que les gens voteraient pour. Même si certains d'entre eux, normalement, pour les études qu'ils ont fait, ils devraient quand même être un peu plus intelligents, parce que ça... Essayer toujours d'appuyer sur le truc qui fait mal, je pense qu'au bout d'un moment quand même, ça, bien sûr que ça touche les gens. Maintenant le sujet qui est devenu à la mode, c'est plus les caïras ou les cités. Bon, même si on en parle toujours, c'est les musulmans. C'est ça qui est devenu à la mode. Ça la mode, c'est ça pour les politiciens, c'est ça leur beurre, c'est comme ça qu'ils gagnent des voix. Et c'est normal aussi, hein, les médias ils ont été nourris de ça. Ça veut dire le peuple il a été nourri de ce que les médias montraient, de la délinquance, même si c'était une infime minorité. Hein. C'est une infime minorité, hein, mais on a fait tout un pataquès. Donc en vérité, c'est pas étonnant que les gens en général, les Français, même en province, je parle pas qu'ici, même en banlieue, il y a des gens qui votent pour certains politiques qui sont assez durs. Les gens, ils ont voté pour Sarkozy, pourtant il était assez dur, mais parce que c'est la télé, je sais pas, c'est la télé. C'est quand tu regardes ta télé, qu'on te montre tous les jours des mecs en banlieue, des noirs ou des arabes en train de brûler, de voler, on te parle d'eux comme si c'était des pilleurs, des violeurs, des barbares presque. Le Français moyen qui vit pas ici et qui connaît pas vraiment, qu'est-ce que tu veux qu'il en pense? Les médias pour lui c'est la vérité, mais les médias ils ont besoin de faire du sensationnel. Ça veut dire donc qu'ils s'accrochent sur des sujets sensationnels et après voilà, pourtant il y a plein d'autres sujets qu'ils pourraient traiter en bon lieu. Hein. Ouais non mais c'est médias que maintenant je commence à écouter un peu de rap. Okay. À l'époque il n'y avait pas de rap. Ah, du coup. À part Medellin, si tu veux que ça glisse, on n'écoutait pas trop le rap. Tu vois, c'était plutôt la fun, la soul. Okay. Mais là au jour d'aujourd'hui, on va dire ça fait quoi, 5-6 ans, je me vais écouter un peu de rap. Ça va, je et j'aime bien le rap parce que je l'ai bien écouté et en fait la jeunesse a fait passer leur message à travers ça. Beaucoup de choses ont changé. Une liste. Il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de lois à changer. Ils aveuglent les gens avec le social. Les gens ils n'ont pas besoin de social, ils ont besoin d'aide. Des gens qui ont besoin de travail, d'appartement, beaucoup de choses. On les aveugle avec des petites clopinettes par mois et c'est tout. Ils ont dépensé plus d'argent dans les caméras que dans le social. Si vous rentrez dans les appartements, c'est hallucinant. On a des rats qui se baladent dans les paliers. On a des hérissons qui se baladent dans nos paliers. Bientôt, on va trouver quoi? Des rats gondins. Par contre, les caméras, caméras, on y va. Ça dépense. Il y en a beaucoup dans le quartier. Il y en a plein. On est encerclé de caméras, mais bon. Je pense pas qu'ils nous surveillent pour notre sécurité. Ils surveillent ce qu'on fait nous. Ils ne surveillent pas pour notre sécurité. Ils n'ont pas mis les caméras pour ça. Ils ont mis les caméras pour nous surveiller. Nous, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, à quelle heure on se lève, à quelle heure on va dormir.
C'est tout, ils sont faits pour ça les caméras, ils sont pas faits pour... C'est pour diminuer les effectifs, c'est tout. Voilà, c'est tout, exactement, c'est tout. C'est une histoire de coût. Voilà, c'est une histoire de coût. Et que cet argent, des caméras, ça fait moins de voitures de police, ça fait moins de fonctionnaires, ça fait gagner des gens, et voilà. Ouais, les caméras, c'est pour ça. Voilà, c'est ils ont fermé les antennes sociales, ils ont fermé les salles, ils vont aller où les jeunes? Ça coûte moins cher une machine qu'un homme. Tu trouves normal, toi, que les petits se mettent dans un Ageco, là, wesh. Une personne qui vous a volé votre voiture au mieux quartier, que vous allez demander... caravane quand même. Et où? Abriou, je connais Abriou, monsieur Abriou, qui était très sympa, hein. Monsieur Abriou, il était très sympathique. Hein. Quelle année ça? C'était il était maire entre 94 et il a fini d'être maire en 98. Ouais, il a fait deux mandats. Deux ou trois mandats. Abriou, il était sympa, mais Abriou, à l'époque, il délaissait déjà la ville. À l'époque, c'était pire que ça, moi j'ai... Ici c'était assez propre, les 1000, ça s'est dégradé dans les années 2000, mais les 1000 c'était assez propre. Hein. Mais vous allez par exemple, aux 3000 c'était dégueulasse. Jupiter c'était dégueulasse, la place Jupiter. Ouais. La place Jupiter c'était dégueulasse, parce que les gens ils voient Jupiter, ça a été refait dans les années 2000. Ils ont jamais vu. En 96, c'est quand c'était dégueulasse, vous ne rentriez pas dedans. C'était la jungle. Il y avait des cratères par terre, Jupiter. C'était dégueulasse. Il y avait des cités comme ça. Il y avait des rues, ils faisaient la taille des chars. Les Emmaüs, c'était très ça, les Emmaüs. Ça a été rénové par la suite. D'ici, c'était propre quand même. Parce que je crois que les co-syndicats d'ici géraient un peu mieux. Et le maire Abriou, à l'époque, il était plus accolo aux gens d'ici. Parce que je trouve qu'à la mairie d'Aulnay, il y a un genre de truc où à chaque maire choisit presque une cité. Genre. Ouais. Chaque maire est représentatif d'une cité à Aulnay. C'est vraiment ça. Oui, mais avant, à l'époque, il s'investissait plus dans les SMJ, dans les trucs comme ça, dans les sociaux. Nous, on a eu la chance d'avoir des salles, on allait en sortie, on allait partout. Moins que rien. Maintenant, regardez, les enfants, ils sont dehors. Regardez, ils sont confrontés à quoi? À la rue. Au lieu que l'enfant il va, il y a des gens, nous à leur âge, on allait dans les frères d'Astérix, on allait à Euro Disney avec des associations, et quand on pouvait se permettre de donner des subventions, et voilà, ça aidait tout le monde. Maintenant, vous regardez, les jeunes, ils sont un peu perdus. Les jeunes, ils n'ont pas d'SMJ, ils n'ont pas d'attache, il y a beaucoup de choses qui se perdent, quoi. Ils ont fermé même la piscine. Et on dirait qu'avec le temps, vous vous rendez compte que ça a été voulu, quoi. Tout a été voulu, quoi. Parce qu'avant, nous, on pouvait aller à la piscine ou n'importe où. Maintenant, regardez, on a une piscine, on est en rénovation. Vous vous rendez compte, ici, au 1000, il y a des jeunes qui n'auront jamais connu le petit magasin où acheter des bonbons. Nous, on a connu ça, on avait des petits magasins, on allait acheter des bonbons, on avait des boulangeries. Vous vous rendez compte, dans le quartier. Il n'y a jamais eu de changement Le changement, on ne l'a pas vu du tout. Hein. Vous savez, regardez, vous pouvez regarder derrière, c'est en train de construire, ça fait... Voilà, quoi. Aussi, pour être complètement franc, aussi, les 1000 se sont dégradés beaucoup à partir des émeutes 2005. Okay. Parce que les 1000, comme je t'ai dit, les 1000 c'est un quartier où tu venais, c'était assez bien géré. Hein. Les copropriétaires, ils géraient assez bien le quartier des 1000. Hein. Mm-hmm. Comparé aux 3000 ou à d'autres cités d'Aulnay, au Grosso, ici, c'était très correct, très propre. Hein. C'était très propre. Hein. Même les bâtiments et tout, à partir de 2005, les gens, ils ont craqué. La plupart des gens qui étaient propriétaires, ils habitaient encore dans un logement. C'est vraiment ça l'histoire. C'est pour ça que ça s'est dégradé. Hein. Parce que les vrais gens qui étaient propriétaires, ils se sont tous barrés. Ils ont reloué leur appartement à des gens. Parce que, dû aux émeutes, il y avait beaucoup de choses ici avant les émeutes. Hein. Il y avait un distributeur, il y avait le Crédit Lyonnais ici, il y avait plein de choses, mais ils ont été brûlés aussi. Après, ça rend ton compte, ça. Oui, mais c'était pas pour attirer l'attention. Est-ce que c'était pas un appel à l'aide, ces émeutes? Je sais pas vraiment si c'est un appel à l'aide ou si c'est pour brûler, pour faire plaisir. Parce que tu vois, je vais pas te mentir, moi j'ai déjà brûlé des choses et je les brûlais pas pour faire appel à l'aide. Hein. C'était parce que ça me plaisait de brûler. Tu vois, il faut être franc avec soi-même. Des fois, ils ont craqué. Les jeunes qui sont sortis dehors, et qui sont brûlés parce qu'il faut parler avec eux. Il faut dire les mots, ils sont importants. Les jeunes qui sont sortis dehors, ça veut dire, je t'ai pas dit que personne n'était. Personne ne s'est pas senti révolté parce qu'il est arrivé à Bounaïziane. Bien sûr que les gens se sont sentis révoltés parce qu'il est arrivé à Bounaïziane. Mais concrètement, quand les gens ils brûlent, quand quelqu'un brûle quelque chose, tu peux te sentir touché par quelque chose qui arrive à quelqu'un, mais t'es pas dans l'optique de brûler les choses. C'est pas ça l'optique, t'es pas dans l'optique de brûler les choses. De toute façon, pour revendiquer quelque chose, si tu brûles, tu vas passer pour un gaulement ou un barbare. C'est pas ça. Ce que je veux te dire, c'est que ça a brûlé des choses pour se défouler, grosso modo. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a des gens qui ont brûlé. Moi, j'étais pas là, j'étais pas là. Ça fait partie du ras-le-bol. C'est tout, ça fait partie du ras-le-bol. Les gens, ils ont brûlé des choses. Ils ont profité du moment. Et certaines personnes avaient des rancœurs contre des policiers dans plein de villes. Les gens, ils ont profité du moment. Ça tombait bien.
Et ça, ça a mis la haine dans les gens. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, tout le monde l'a pris pour soi un petit peu. Et Montfermeil, c'est à côté de chez nous. Après, je te parle pas des villes plus loin que nous. Mais nous, déjà, pour nous, Montfermeil, c'est à côté. Pour toutes les villes de Seine-Saint-Denis, c'est normal que les gens se sont sentis touchés. Et même, je dirais, pour toute l'île de France. Parce que ça reste la banlieue, ça peut arriver à n'importe qui. Les gens se sont sentis touchés par ça. Mais quand ça a brûlé, c'est juste pour... C'est un défouloir, en vérité. C'est un défouloir. Ouais, ouais. Il y a rien de. Le rejoint. Je crois pas qu'il y a quelque chose à exprimer quand tu brûles quelque chose. Il y a rien à exprimer. Après, c'est très difficile. Il n'y a pas de bibliothèque. Est-ce que les gens ici, on les incite à aller dans des bibliothèques, par exemple, chez nous? Ça, c'est pas une bibliothèque. Personne n'incite les gens à aller dans une bibliothèque à lire, à bouquiner ou. À cette époque-là, je te parle, hein, parce que maintenant, il y a Internet et tout. C'est un peu plus facile pour chercher des trucs, même si c'est en bref. Hein. Internet, c'est en bref. Hein. C'est pas... L'explication, elle n'est pas donnée. Hein. Et en plus de ça, on donne une mauvaise image parce que concrètement, même si on est dans notre pays, on n'est pas dans notre pays. Ouais. Tu vois, en gros, on est dans notre pays, mais sans être dans ton pays. T'es dans ton pays, mais t'es pas dans ton pays. Et c'est très bizarre, c'est très bizarre. Il y a un ressenti très bizarre. Il n'y a pas que la police, il y a ce ressenti-là aussi. Et ça, c'est dû vraiment au gouvernement, aux lois, à la façon de gérer les populations qui sont venues, qui ont immigré. C'est dû à beaucoup de choses. Donc, Avant, la police, ils étaient plus anciens, plus vieux. Dans un banlieusard, tu vois. Moi, je dis dans un banlieusard, il y a beaucoup de choses. C'est pas comme maintenant, tu vois la police, c'est des jeunes, tu vois, je veux dire. Il y a beaucoup de jeunes dans la police. Hein. Le banlieusard d'aujourd'hui, c'est pas le banlieusard de 1970 ou de 1980. Ça aussi, il faut le ouais, dire. Exactement. Le banlieusard de maintenant, c'est pas le banlieusard de 1960 ou de 1970 ou de 1980. C'est pas du tout, c'est pas les mêmes personnages. C'est vrai aussi, hein. Les gens se raccrochent beaucoup plus à leur culture, à leur pays de nos jours, on va dire, ce qui existait un peu moins avant, je trouve. Hein. Mais c'est comme ça. Mais c'est la société qui a fait que les gens ils deviennent comme ça. Ouais, c'est voulu. Avec le temps, tu te rends compte que ça a été voulu. Bien sûr. Je crois bien que c'est la société qui a voulu que ça devienne comme ça. Bien sûr. Je crois. Hein. La ville. Tiens, je me récupérais le nord, je chasse dans le corps, peu de femmes dans mon cœur, jamais baiser une guerre. Shit dans les seufs, ça arrache en stun. C'est pire que les steaks, t'as qu'à guetter les stats. Entouré de vie facile, donc ma bite elle est dure. Ça récupère la source, donc la drogue elle est pure. Pour les mappes, ça vend du jaune comme ma vie. Je récupère les appels, ce soir je suis sur la prise. On aime les salopes qui sucent, le foot, les bécanes et les voitures de luxe. Billet violet comme une carte Navigo. Elle est loin l'époque où j'arrachais dans le bus. Check. Sur terrain comme Mido, je crois tous qu'on sert les taux. J'ai volé l'hiver et j'ai pris grave l'été. Je suis en train de la frotter. Elle me demande une clope, je propose le Zélo. Elle me dit qu'elle est en couple. Je vais mettre ma mère à l'abri, la tour à la mode. Je connais ma ville et c'est putain de code. Ça fait des ballons et ça visquille le ballon. Ça fait des ballons et ça visquille le ballon. Ça part en chasse, on a grillé les feux. On s'est fait péter, on a nié les faits. Les chutes à gogo, les Yankees font la queue. Les Kaïman, t'as des rails sur les quais. Je diminue sa vie, serre la gueule trop. Pas le temps de guédra, on fout le boucan. À fond dans le pura, on dit Isa t'abuse. Pourtant je suis dans ça fait un bout de temps. Check, la tour à la mode. Pour être la ville, la tour à la mode. 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 Il y a des bolos, des balances, la pelouse de Davos. Mais on est au canon. Je mange au taco, c'est du coup que je suis avec mes accouts dans la zim ou dans le gamos. J'ai le bracelet, ça m'empêche pas de brasser. J'ai des affaires, pas cherche dans m'en débarrasser. T'as parlé, t'as fait le mec en place. Ouais, tu dois du papier, t'arrives bien passé. Force à ceux qui m'ont toujours aidé dans les moments pitoyables qui m'ont prêté. Mais ta manfo, je suis devenu un poteau. Ça va être difficile, t'as vu pour m'éliminer. Arme dans la mano, j'ai la mène l'idée. Trois balles dans la tête, c'est l'enfer comme mal idée. Oh, appuyé, je suis habité. Le démon dans mes couilles, il s'est abrité. Sale abruti, moi je suis pas une célébrité. Ah, on est sous bug, y en a qui se sont butés. Pour la famille ou bien le blé. Moi je suis pas crevé, gros, j'ai envie de débuter. Maintenant je suis grand, je suis plus un débutant. Ni tous les jaloux qui nous souhaitent du mal. Genre, baisse dans la mer, t'as vu comme tous les matins. Dieu merci, je suis en femme tous les matins. Fils de pute, tu veux pas, je ramasse un euro. Tu veux, je reste sur place à péter mes neurones. J'ai des frères de sang, je connais pas leur numéro. Mais Dieu merci, je connais le sang de ma rue. De marijuana, non, je suis plus amoureux. On fait pas le gang, non, t'es pas gang. T'es une grosse merde, nous on te connaît. Tu n'es pas prêt pour faire la guerre. Pas. À la page j'allais en cours même si j'écoutais pas. Je m'en bats les couilles, je voulais gloser mais y'avait les remparts. Oui y'avait les remparts qui me disaient fils tu vois. La vie c'est dur, l'argent t'attire mais y'a pas de ça chez moi. Et moi je vois les petits grandir, mes potes partir. Ce putain de pansement au cœur quand je repense à mon avenir. Inondé par les problèmes donc je me noie dans la cheese. Je voulais juste toucher le ciel, mon atout chez le smic. À la base on était 10, maintenant l'équipe vient dans le 106. À la barre la justice tu verras pas grandir ton fils. Mais de côté depuis l'enfance ça fait cramer une daronne blanche. Tout la qui va ouais j'y pense mais qui va me remplir les poches putain. Qui va mettre à l'abri mes gosses, putain, putain, eh, putain, les gars, faut que je me barre. Y'a rien à gratter ici. La paix d'argent, j'en ai marre, les joues creusés par le touchy, galère de thunes, je peux t'en parler. La boule au vent, je crevais la dalle, mais nique sa mère, j'ai l'habitude. Avec le temps, ça devient banal, de vesquer la banane, eh, fleur de canne, appuyant clé de Paname.
J'avoue, je suis né dans un bourbier, on peut dire que j'ai mal commencé. De toute façon, ma vie, on me l'a prêté, mais il me faudrait l'éternité pour essayer d'en profiter, connaître autre chose que la cité. Jusqu'ici, c'est pas gagné, ma vie, je l'ai mal commencé. Du droit chemin, j'ai divorcé. À la rue, je me suis marié. Ouais, je me suis mis à fumer. Les putes, les stupes, j'ai consommé. T'as aimé, Kenny de la cité, putain. Écoute le son si tu sais toujours pas qui c'est, ouais, gamin. Je suis pilon, je suis toujours excité. Tu connais mon Zoplan, dis surtout pas qu'on se connaît. T'as aimé. On est la capitale, le monument, c'est la D125. C'est pas tardis qu'on dort, mais savent pas ce qu'on magouille. Pour aller braquer le game, bouffer d'un spi et une grosse paire de couilles. Un bruit dans la fouille, on craint rien si ça dégénère. Insolites sont les douilles, et gros le clock est téméraire. Viens pas jouer les fous, on va te niquer ta mère. Comment rester doux, on va se presser de laisser des corps à terre. J'ai rêvé de foot et j'ai fini sur le terrain. Ça fait les durs quand on agit, crois-moi, ils sont plus sereins. Moi je marche seul, poteau, je suis dans ma ville. De hauteur, gros libérable, demande de potopie. Je connais ces grands qui font les fous que contre les petits. Moi je cassais déjà la bouche, j'étais plus grand quoi. Et j'étais pas insolent, maintenant t'es plus trop serein. Les salopes font les durs, ça se passe maintenant pas crâne. C'est avec des seringues ou un qui est pur. Pur. Chez moi les armes font la moi j'ai mes mains. Les salopes et les boucaves, j'ai les mines. J'ai les mines. Et les poissons se détirent chez les miens. J'ai les miens. On est comme un steak, il est minuit. Qui job on voit. Vive, qui job, qui job, qui job.